Ouais. Voilà, c'est mieux. Bon, mais avec plus de, on va la refaire, hein. Bon, on la refait d'Uber, hein. Yotim et messieurs, bonjour. Aujourd'hui est un bon jour pour vous? Pour. Un Est bonjour un bon pour. jour pour? Pour. Pour. Pour être entre potes. Ouais. Ouais. Pour thé, un café, pour manger, pour se marrer, pour écouter du son. Pas pour aller se balader, il flotte. Ça pourrait, mais on n'a pas envie en fait. Voilà. Tu rajoutes un truc? Next. Next. Où êtes-vous? On est dans un petit, on est chez moi dans un petit village provençal dans le sud de la France. Voilà, sur mes terres. C'est de toute beauté. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? En quelques mots, oui. Alors, moi, c'est dur comme question. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, lui, là, le missier, Adrien, aka missier, Denis Roster, ou Non, d'autres, dernier ressort, il n'existe plus. il n'existe plus, mais il existait, bref. DJ depuis à peu près 25 ans, les galettes et tout. Pour moi, c'est un des meilleurs DJ dans son style. Et puis, c'est mon frère, quoi. C'est un super mec, sensible, un peu fou. Et puis, bah, mélomane, passionné aussi, quoi. Et donc Benjamin, jeune Padawan, bah pareil. C'est Et. dans le cœur, c'est un vrai pote. Et écoute, on se suit depuis, je sais pas, 15 ans? 20 ans. 20 ans? Ouais, 20 Ouais. ans. Ouais. On se suit, tu me suis, ils se Voilà, suivent, on a je fait te notre vie de notre suis. côté, après on s'est rejoint en Amérique du Sud, et puis on est revenu là, et voilà. Et puis voilà, on kiffe le son. Donc voilà, c'est bien, ça suffit. C'est votre première fois ensemble? Dans les back-to-back? Faire un back-to-back? Bah, officiellement, si on peut dire ça, oui, mais sinon, non. On a testé, on a fait des conneries aussi avec la On a musique. fait plein de conneries, ouais. Ouais, on a fait plein de conneries avec la musique. À tester, à se dire, ah, ça va le faire, et puis, et puis on se marre, et puis on kiffe. Mais on le montre pas, on le fait pas écouter, parce que c'est pas. C'est juste pour nous. Bon, tous les DJ savent ça, je pense. L'endroit le plus ouf où vous ayez joué. Moi, ça devait être dans une prison en Espagne, enfin dans une prison désaffectée en Espagne, où il y avait eu un, où ma copine de l'époque avait organisé un événement et c'était assez dingue parce que ça, on était carrément dans les, dans les corridors et dans les, comment on dit en français, les Les carcels, geôles. les geôles, ouais. C'était assez dingue comme endroit. Bon souvenir. Ouais, et moi, c'était à. Bah, récemment, en fait. J'ai joué au Burning Man de Koh Phangan en Thaïlande, dans un bungalow où il y avait 30 personnes entassées. C'était un truc de fou, et aussi pour. Ouais, ouais, les deux derniers, dans un dôme aussi, ouais. C'était bien en pleine forêt. Ouais, c'était assez fou, ouais. Première claque musicale. Ah ouais, putain. Ça remonte, et ben, ça remonte à longtemps, ça, hein. Première claque musicale. Première claque musicale. Bah, ça dépend quel style. Ça dépend quel style. Les années 80, pour moi, c'était plutôt, plutôt jazz. Jazz. Jazz, hip-hop, fin des années 80. J'ai des belles claques avec de la bossa nova. Stan Getz, par exemple, je me rappelle. Et une bonne claque avec MC Solar. Ouais, ça, c'était Bouge de là. c'était les premières claques, ouais. Et toi? Moi, c'était en. Alors, moi, je me souviens très bien. C'est quand un copain m'a ramené une cassette audio en me disant, tiens, écoute ça, c'est de la house.
Et ça devait être en 80, 88 ou 89. J'habitais dans le sud. Et c'était une cassette qui avait été enregistrée dans une discothèque locale du coin. Et c'était les premiers morceaux house que j'écoutais, dont le fameux Inner City, Good Life. Voilà. Voilà. Dernier kiff musical. Ah, dernier kiff musical. Vas-y, Il y en a vas-y. plein, hein. Ouais, il y en a plein, ouais. Bah moi, mon dernier kiff musical, en fait, c'est ce que m'a fait découvrir Benjamin récemment, tout dans son style, parce qu'on a un style vraiment différent. Moi, je suis plus électro house, et lui, il est plus ethnie, down tempo, et j'ai découvert vraiment plein de trucs. Et moi, c'est un track de DJ Drez avec une chanteuse, je sais plus son nom, et c'est un morceau où c'est super down tempo, ça doit être à 80 BPM, un truc comme ça. Et il chante Hare Krishna. C'est un truc de malade mental, ce track. Ça m'a fait exploser la tête. De vibe. Oh, ouais, c'était un truc de fou. C'est toujours un track de dingue d'ailleurs. Voilà, de l'équipe. Ensuite. Meilleur souvenir de teuf. Oh bah il y en a plein, c'est pareil. Ah, vas-y. Meilleur souvenir de teuf, on va dire que ça devait être. Il y en a plein. Ouais. On va dire Croatie. Croatie, l'été 2000, 2011 ou 12, je ne sais plus. Je débarque en Croatie comme ça, en bagnole, et puis je devais rester 10 jours, et je suis resté un mois et demi, et c'était les festivals. Un copain à moi qui m'avait invité, on a joué là-bas. On prenait un bateau pour aller au festival le soir et on revenait le lendemain parce qu'on habitait sur une île. Tout ça a fait que ça a fait un truc explosif. Belle dépression en rentrant après en France, ouais. Quand même. Bah, Tellement le souvenir était fort. le down, quoi, tu vois. Ah ouais. Tu es allé, il fait beau, tu arrives à Paris, évidemment. Ça pique. Ouais. Moi, évidemment, il y en a plein. Meilleur souvenir du teuf où j'ai joué, pour l'imiter, en Thaïlande récemment, pareil. Voilà. Dans ce dôme-là, en pleine jungle. Ça, c'était avec un sound système de malade, des gens adorables. Ouais, c'était cadeau, quoi. Vraiment cadeau. Thé ou café? Oh, bah, Ah bah. ça dépend. Là, on est au thé. Voilà, thé. Petit thé, un peu. Thé aussi, ouais. Un pu'er, un thé Eh ben, santé. fermenté, thé de Chine fermenté. Très, très souvent. Et sinon, bah, café aussi, ouais. Un bon café, c'est bien. Bière ou pinard? Pinard sans sulfite. Ça dépend. L'été, une bonne bière fraîche artisanale, la brood, c'est pas mal. Et pinard, ouais, sans sulfite, rouge pour moi. Toi aussi, rouge. Oui, Ouais, rouge. rouge, sans sulfite, Bien rouge. bio, de préférence, enfin naturel, comme ils disent maintenant. Où peut-on retrouver votre musique? Ben, moi, principalement SoundCloud. Il y a eu du Mixcloud à une époque, mais je ne mets plus dessus. Donc, SoundCloud, et toi? Moi, eh ben, dans mon ordi. C'est bon, ça. Ouais, dans son ordi, ouais. Un petit mot de la fin? Petit mot de la fin. Ouais, non, sur Mixcloud, il a plein de trucs, hein. Ouais. Pas beaucoup. Pas tout, mais enfin, il faut que tu mixes plus. C'est ça le petit mot de la fin? Petit mot de la fin, que la musique ne s'éteigne jamais dans nos cœurs. Petit mot de la fin, je reviens à tout à l'heure.
Petit mot de la fin, merci Doubar pour ton infinie créativité. Merci, merci de nous inviter là-dessus, c'est cool. Et puis ben, j'espère qu'on va continuer à mixer ensemble prochainement un truc, hein, ce serait bien. Voilà, on a tout dit. We'll be right back.
Nereden geliyorum, nereye gidiyorum, neredeyim ben, bilmek istiyorum. Nereden geliyorum, nereye gidiyorum, neredeyim ben, bilmek istiyorum. Nereden geliyorum, nereye gidiyorum, neredeyim ben, bilmek istiyorum. Sevgiyi arıyorum, güzele kapıyorum. İnsan mıyım ben, bilmek istiyorum. Sevgiyi arıyorum, güzele kapıyorum. İnsan mıyım ben, bilmek istiyorum. İstiyorum.
yazıyorum. Ağlıyorum ben, sevmek istiyorum. Şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum. Ağlıyorum ben, sevmek istiyorum. Şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum. Ağlıyorum ben, sevmek istiyorum. Şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum. Ağlıyorum ben, sevmek istiyorum.
Possibilité pour eux d'être reconnus, c'est étant de donner à la société un élément qu'elle n'a pas. Parce que en samba, ils sont les caïds et ça, personne ne pourra les imiter. Ils ont la samba dans la peau. Oba, 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 ma, nya, nya, nya.
Thank you.
front stripe.